Et on reprend le stream là où on l'avait laissé. C'est-à-dire dans une phase de Jacadi. Et je reviens sur un résumé du jeu dans pas longtemps. Je suis en train de me faire repérer là. Ça a l'air sympa ces bruits qui se rapprochent. Ah mais c'est le toutou! Je suis pétrifié de peur. Il fallait que j'essaie de voir ce qui se passe. Ouais. Ah, sacré gadin. Donc nous revoilà dans Inside, ce petit jeu qui est quand même dans la droite lignée de ces jeux. C'est des runners, on appelle ça, où en fait on a un parcours qui est simplifié à l'extrême en ligne droite. Et sur lequel on doit soit faire des chronos, soit faire des figures, soit comme ici, survivre et trouver sa route. Je ne m'étais déjà attardé sur le côté graphique, chacun s'en fera son idée. Moi je trouve ça plutôt réussi, même si ça n'atteint pas les sommets et cette patte absolument magnifique qu'on a dans Little Nightmares. Et j'avais aussi signalé qu'ici, quand même, contrairement à Little Nightmares, on avait une maniabilité qui était autrement mieux foutue, quoi. Sur ce, je m'en vais enchaîner mes fells, hein, comme d'habitude. Donc je vous rappelle, le bonhomme ne sait pas courir. Il peut marcher longtemps, il peut sauter. Et attends, je crois que là, on a mis du temps pour rien. Ça va être pris. Et il y a un bouton pour les actions aussi. Alors, là... Ce casque, je rappelle, sert à diriger les personnages plus ou moins zombifiés qu'on croise en arrière-plan. Mais, pépère. Ça, c'est foutrement bien trouvé. On va s'arrêter là. Monsieur, tu m'as poussé trop loin, monsieur. Merde, si je suis bien là. Hop, je me décolle ça du bulbe. Plotch. Alors, une caisse à pousser, une caisse à pousser, pourquoi faire? Oui, cette ligne, moi, ça me perturbe. J'aime pas les runners, justement, pour ça. C'est le fait d'être prisonnier de cette ligne invisible. C'est relativement casse-bonbon. Parce que je pense pas que le même jeu, avec la vraie profondeur, ça aurait été si compliqué que ça à faire.
CF, précédent stream du titre dont je n'arrête pas de répéter le nom. Ok. Surprise, blague ou surprise? Je vais prendre. Je sais pas. On va voir si ça bloque, pour être sûr. Ça bloque, pour être sûr. Donc une petite visite s'impose. Oui, je ne peux pas parcourir le niveau en profondeur. Alors, est-ce que ma ligne invisible m'accorde un gadin là? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, mais si, si. C'est pas grave. Une alternative, ce jeune padawan va trouver. Ouvrir, tu ne peux point. Ah, papa, papa! J'étais en train de regarder le bonhomme que je manipulais, j'ai pas fait gaffe que je m'étais un poil désolidarisé du casque. Ce qui est un peu moche, là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre de bizarre? J'ai cette plateforme au milieu, c'est quoi? Matelot. Cette plateforme, c'est rien. Alors, on va réessayer connement. Là, je ne peux rien faire. Là, c'est d'où je viens. La boîte, pas un coup fin. Moi, je vais aller là-bas. En dessous, c'est ouvert. Si je saute là-bas, est-ce que je saurais me raccrocher? Je doute énormément du truc. On peut rêver. Hein. Allez, fais nourrir. C'est un plotch moins profond, mais ça reste un plotch. Donc je suis très ennuyé. Admettons. Je peux rien faire sur ce cousin-là. Rien qui s'active, qui s'actionne. Mais arrête de. Note pour plus tard, pas de joystick bas pendant que tu manipules les boutons. C'est le mal absolu, le mal intégral. Je peux descendre ici. Soit. Problème, c'est que quand je descends là, je fais absolument rien. Il peut pas s'agripper sur le rebord. Bref, c'est la merde. Mec de l'élan, ça passe pas à travers. J'ai le droit de rêver. Bonk. Le bonk le plus stupide de la création. Alors, indice, j'ai un autre casque en hauteur. Ce qui sous-entendrait que je suis supposé arriver à grimper, moi. Souci, c'est comment je grimpe, les amis, là. C'est la passerelle du dessous. C'est la passerelle du dessous. J'ai pas de fonction d'élévation. Bon, on fait comme les débutants, hein. Est-ce que j'ai oublié un truc au début? On rembobine. Revoyons cette action au ralenti, Charles-Henri, est-ce je beurre? Non, rien de rien. Il n'y a vraiment rien. Alors, faut me pardonner hein, si je vois pas avec évidence moi les trucs qu'il faut faire. Je suis un peu
J'ai une vision particulière des choses. Donc il y a des trucs tout bêtes, des fois, ça me prend des plombes. Et si lui... Alors c'est débile, hein, mais je vais le faire parce que je ne l'ai pas fait, puis que ça me semble du coup ben, logique. Si lui, je lui mettais ça sur le bulbe. Alors, qu'est-ce que tu sais faire, toi? Il va me manger la tête, ce truc. Ça va être pas mal. Parce que si lui, je le fais lâcher maintenant, ils vont être deux. S'ils sont deux, quel va être l'avantage? Est-ce qu'ils vont pousser plus fort pour passer à travers la porte? Qui n'essaye pas, ne sait pas. Allons, matelot, ramène-moi ça, toi. Mets-toi là-bas, tiens. Là, tu vas venir avec ton pote pousser. Je sais à quoi elle sert la plateforme maintenant. On va y arriver. Mets-toi ça sur le bulbe. Hop. Toi, tu me prends ça, tu me ramènes là-bas. Des connexions. Oh. Lequel je contrôle, c'est moi. Je saute dans le vide. Alors. Pourquoi j'ai pas d'action sur le deuxième? Il est uniquement commandable avec l'autre casque. Bon, j'ai l'idée, mais j'ai pas le bon ordre. Ce qui est un poil décevant. Si je me connecte maintenant, je vais être un peu dans le caca. On va savoir. Ok. Donc lui doit être supposé être quelque part. Est-ce qu'il y a une dalle ou je sais pas quoi que j'aurais oublié? Il va se détacher. Moi je vais me retrouver en bas. Quand je vais me reconnecter, j'aurai que le même. Ça n'y changera rien. C'est pour ouvrir un truc, je vois pas trop à quoi il sert. Généreux, mon ami. Je déconnecte lui, ça va me déconner le bio. Lui, il faut le mettre à un endroit précis. J'ai pas repéré où. Dynamisme. On sent le mec heureux de vivre. Ça,
La Perry. Ok, tiens les kiki. Ça serait bête que je le tue quand même. Pourquoi faire simple quand on peut faire encore plus compliqué? Va pas! Oh, faut pas me faire des trucs comme ça. Soit. Ouais, c'est de l'eau, même pas peur. Bon, après, il faudra se débrouiller à s'extirper de la situation qui risque de pas être super confortable. Alors, on me signale. Je ne lis peut-être pas le chat parce que je n'ai pas le retour, mais je pense que quelqu'un est en train de me dire qu'il n'y a pas le son. Alors, petite interruption du jeu. Parce qu'on essaie de communiquer dans le chat de Twitch. Et donc je vais regarder quel est mon fail du soir, parce que je ne m'en suis même pas rendu compte. Donc si ça se trouve, je parle depuis 15 minutes dans le vide. Enfin dans le vide. Sans micro. Donc cette fois, c'est un fail provoqué par une aide extérieure, le fameux appel à un ami, qui désormais n'est plus dans les répertoires amis, hein, je vous signale. Donc merci Chaos de m'avoir signalé que tout marchait bien et que c'était grave. Je compatis pleinement à ton opinion. Retournons-y les amis. Je pense que ça va être un poil plus long que ce que fait un speedrunner. Je sais pas pourquoi, un petit poil. Allez, Zou. Tu te casses la gueule au bon moment, hein, dans la flotte. T'es gentil. On va pas y passer la night. Tombe. Mais tombe. Ha. Ça, c'est pareil, c'est copyrighté, le ha-ha, comme ça. C'est le ha-ha de la victoire. Et là, tu découvres que tu ne peux pas monter. Tu es très, très malheureux. Oh, je suis très, très malheureux. Tiens, je vais plonger, car il n'y a jamais un passage par en dessous. Eh ben, tante Lara, elle avait pas tout juste, hein. Non, mais une aide dans les énigmes, par contre, je prends, hein, parce que je pense que je vais faire le boulet pas mal de fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir quelque chose par ici. Mène ton boule. C'est une petite cage thoracique à cet âge-là, c'est incroyable. Je ne reprendrai pas la blague qui met en cause la Vologne et certains sacs poubelles, mais voilà. Allez, Nicolas, on y va! J'ai une maîtrise des touches là, je sens que je suis un Godmaster.
Et si tu veux te noyer, tu te noies après. Merci. Voilà. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas besoin de ce truc. Allez, on va là-bas. Monte. Alors, c'est pas que le jeu est pas maniable, c'est que c'est moi qui suis un pur boulet, quoi. J'arrive pas à pousser. J'arrive pas à pousser cette saloperie. Saloperie qu'on appelle communément palette, donc féminin. Faite de bois, plus généralement. Assemblée avec des clous sur des agrafes. Disponible dans toutes les bonnes scieries. Je meuble, hein, parce que la musique de fond, comme vous l'entendez, est envahissante. Hop. Un petit séchage. Et double reparti. Vers de nouvelles misères. Don't push the button. Don't push the fucking button. Ok. Allons voir. Pour éviter des déceptions. Ok. Ça va me remonter la flotte. Et me fermer la porte. Oui, mais j'ai une chaîne que je ne peux pas attraper. Tout, 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 tout. Ok. Coucou, c'est Renoir. Je pense que je ne vais pas toucher le bouton rouge, je vais tenter de l'hypnotiser tout simplement. J'ai comme une impression d'avoir oublié quelque chose, mais c'est pas grave. Ah oui, cette histoire de porte là qui me gonfle. Alors. Poum 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 poum. Machin, un truc qui me fait retomber systématiquement dedans. Bouton, ça descend le niveau. Machin. Pourquoi je plonge pas directement pour aller voir ce qui se passe déjà? Alors, c'est une porte en acier inoxydable. Ah, mais c'est ça qu'il faudrait faire. Mais si je replonge, actionner le bouton, ça va me revidanger le truc. J'ai même pas essayé. D'autre côté, on est sûr, mais de ce côté-là, on n'a pas essayé. Bon, ça sent la noyade. Presque, 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 presque. L'idée est pas mauvaise. L'idée est pas mauvaise du tout. Elle demande un petit peu plus d'agilité, ça devrait bien se passer. Dans ce sens-là, c'est pas possible, ça ferme. Donc on va lui faire une prise de grand chasseur par derrière. En traite, comme on appelle ça communément. Vas-y mon coco, vas-y mon coco, vas-y mon coco, tu peux le faire. Yes!
Un briquet, une lampe de poche, un slip sec. Voilà tout ce qu'il me faudrait. On n'aime pas trop la lumière par chez nous. Alors j'ai pas vu ce qu'il y avait de potentiel à faire avec ça. Apparemment la lumière ne vaut pas de mal. Mais c'est pas pour autant que j'ai compris ce qu'il fallait faire. Hein. J'improvise ce qui me passe par la tête. Hein. Ok, si la porte se coince, ça redescend automatiquement le niveau. Donc ça sert absolument à que dalle et ça ne me donne aucun indice. J'avais eu l'idée par rapport à... Ah mais merdasse, en fait j'aurais dû la passer en entier. En fait quand je vais monter le niveau d'eau, si je mets la balise de ce côté, elle va flotter. Et donc la chaîne qui est tout au-dessus de moi là, je pourrais la choper. Just in time. Voilà cette dernière chaîne là. Donc on va se foutre la valise ici. Yippee-ki-yay. La porte est plus bloquée, ça va monter jusqu'en haut. Et après on n'aura plus qu'à grimper sur cette valise en carton qui a été faite par Linda de Souza, je me rappelle. Tu vas pas commencer à me faire les mêmes katas que j'ai fait dans Little Nightmares, sinon on va pas être amis. Et si on n'est pas amis, on sait comment ça finit en général mal. Ça sent la bonne blague. Festif. Alors, tu tombes là-dedans, t'es mort. Regarde complètement comme ce que ça fait. Donc, tu t'arrêtes à mi-parcours sous l'ombre. T'attends qu'elle revienne et tu manivelles comme un taré. Go. Normalement, je suis bon. Oh purée, ça va mal se passer, les gars, moi je vous le dis. Bon, la manivelle a quand même le bon sens de ne pas revenir en arrière comme on le voit souvent. Donc, ça va bien se passer. Peut-être. J'adore ces. Ces trucs à décharge là me font délirer parce qu'ils sont super efficaces. Les gars, ils attendent pas 2 heures. Alors, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, tu reviens. T'es pas bien là, Coco? Regarde-moi ça. Un petit pas, petit pas, petit pas, tu retournes. Tu te gourdes pas de sens. Et qui va touti? Va frouti, comme disait Micheline d'ailleurs. T'es pas loin. Fais de la patience. Alors c'est une patience que j'ai empruntée à un autre streamer. Parce que moi j'ai pas cette patience normalement. Pourtant j'ai serré les fesses. J'ai serré les fesses sur ce coup-là. J'aurais peut-être même pu sauter, va savoir. Je suis trop. Trop un gunmaster de l'infiltration. Faut me voir jouer à Metal Gear Solid. Je pense qu'il n'y a aucun streamer
qui peut déclencher autant d'alarmes que moi je peux le faire dans Metal Gear. Bouge. Rappelle-toi, ça tire vite, ça fait tu t'es mort. Bon, troisième coup, je saute dedans. Ça devrait sauter, ça. Si tu te gourdes de sens en plus, Coco, on va pas être amis du tout. Ouais, je vais faire quand même. Je vais la faire soft. Hein. Oui, je suis une poule mouillée. Je suis totalement. Mais vu le nombre de mes morts dans des jeux qui sont relativement simples comme ça, je préfère gérer le truc au mieux. Allez, on se casse, Coco. Ish! Le fameux Ish! Non, 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 non! Mais c'est quoi cette connerie là? Où je me cache, moi? Sous ça? Ok, jusqu'où on se tombe. Une trappe, une trappe, une trappe, une trappe. Et tu vas l'ouvrir, ta. Il l'a faite au millimètre, celle-là, elle est vraiment très bonne. Pfiouh. Trop de pression. Beaucoup trop de pression. Merde, j'ai pas vu. J'ai pas fait gaffe. Alors, une chaîne. Et on n'en saura pas plus pour là-bas. Hein. Allez, chaîne. Mieux valait pas la rater. Y a peut-être un bouton pour descendre plus vite, mais je vais pas trouver le bon, donc je vais m'abstenir. Bon, plus on avance et plus la cohérence de cette ambiance graphique fonctionne, quoi. C'est chouette. Avec les barres. L'ambiance son est vraiment bien foutue. Elle a son rôle à jouer. Alors que faire, Nicolas? Eh bien, il ne faut jamais, au grand jamais, croire que tu vas courir plus vite qu'un molosse. Non. Car tu es bien plus malin que ça. Et tu vas. Et tu vas. Et tu vas courir encore plus vite. T'as pas une touche pour courir. Il envoie le chien. Moi, je pense qu'il y a une touche pour. Oh, mais c'est dégueulasse. Je pense qu'il y a une touche pour courir. Non, vraiment. C'est pas possible de passer. Y a pas moyen de sauter par-dessus. Hein. Oh, joli. Crac. Le coup du lapping. J'ai essayé de sauter par-dessus, mais je suis pas très convaincu. Je pense que ce chien est d'une vivacité un poil trop grande pour moi. Ah non, mais il me chope au vol, lui. Donc, il s'en fout. Alors, reprenons. Je ne rush pas plus vite que ce chien, bien au contraire. Il n'y a absolument pas de passage en dessous, je présume. Non, pas de passage en dessous.
Les lumières sont chouettes aussi. Oh purée. Bon, la touche action sert à rien. Et je pense que la touche saut, même aux un saut en avant, ça va pas me sauver la life. Donc, monsieur est particulièrement énervé. Et ça, c'est particulièrement frustrant de se trouver à 4 mètres du point où tu seras sauvé. Et regardez ton personnage faire quick. Alors, jouons au Nigo. J'avais pas menti, il y a bien deux boutons. Comment je vais me débarrasser de ce clébard? Il n'y a pas de run. Je ne peux même pas en inventer. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Il va dans la flotte, ce con! Le chien va dans l'eau. On va dire que c'est pas un chien super nageur et que moi j'ai une jambe en Patrick Duffy. Et que donc je vais pouvoir nager plus vite par contre. Voilà, on la prend comme ça. Con de chien! Mais con de chien! Tu sais plonger le chien? N'empêche, je nage vraiment plus vite. Ça va être tendu! Pas des bisous. Le petit garçon qui faisait des bisous aux planches. Et ben voilà, bisous crack les chiens, bisous crack. Non, je reste là, je vais prendre un sandwich. Où c'est que je mangeais mon sandwich? Ah, c'est pas cette poche. Problème. Alors le problème, je crois que c'est celui qui est propre à ce qu'on appelle les slow games. C'est-à-dire parfois il faut prendre son temps. Donc on va le faire en plusieurs fois le truc là, parce que c'est mal barré sinon. Oh là là. Oh, faut que je le fasse planche après planche. Alors ça, sur ce genre de gameplay, on n'est pas trop copains avec le jeu là. Ça, c'est un truc qui m'amuse moyen. Les allers-retours. Faire gros lâche. L'ambiance son est vraiment sympa.
règne. Sale bestiole. Alors, je sais pas comment on passe le son sur le stream. J'ai monté le son du jeu parce que il me semble que ça a son importance. Et ouais, c'est vraiment très, très, très agréable. Des sons sans gaufrer, merci. Qu'est-ce qui va m'embrouiller, lui? Merde! Oh, excellent! Excellent! Je sais pas pourquoi ça sent la tentacule, tout ça. Ah, je m'attendais pas du tout à ce passage. Alors, je vais faire quelque chose avec ça. Comme ça passe, ça pousse les portes, c'est fantastique. Bon, là, c'est un petit peu un hein, cul-de-sac ou pas. Et même... Alors, si vous avez l'impression que je me sens un peu perdu, c'est effectivement le cas, je confirme. Eh bien, bienvenue à bord de cette expédition avec James Cameron. Donc aujourd'hui, nous allons rechercher la petite Annick, qui apparemment devrait être garée par là. Annick? Annick? Es-tu là? Eh bien non. Et là, mine de rien, le mec qui a fait le son, il a placé le truc au bon moment où il nous a fait changer totalement d'ambiance. Finger in the nose, quoi. Good game, gars. Oh yeah, la touche A sert à se propulser d'un coup comme ça en avant. C'est assez marrant. Oh, j'adore ce passage. En plus, il y a tous les effets de particules dans la flotte. Là, on sent l'esprit quand même des mecs un peu démo makers derrière. Genre, ils aiment bien se faire les petits effets maison qui font que ça a de la gueule, comme aucun autre a programmé, quoi. Ça, c'est quand on le fait.
ça se tente, hein. Ouais, ça se tente, mais ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Non, on a ce qui va nous éviter de perdre du temps. Vrai que j'avais un peu oublié qu'on est sur une ligne. J'ai du mal à me mettre ça dans le crâne. Donc moi, j'étais persuadé que cette pente, elle était juste pour nous. Bon, ok. Échec. Tu es sur un plan, tu es prisonnier d'un plan, rappelle-toi-en. Alors trouve une solution. Il y aura bien un mou, un côté plus mou qu'un autre. Un truc que j'ai pas dû piger. Ah mais ça s'essaye ça monsieur, ça s'essaye, je suis désolé. Donc je n'ai pas compris l'astuce à part sortir du truc et peut-être passer à pied comme on dit. Mais c'est à grand regret que je vais abandonner cet engin qui m'a beaucoup plu, quoi. Ah non, mais là, j'ai une larme. J'ai l'impression de voir des trucs bizarres, moi, dessous. Non, c'est une impression. De toute façon, avec le bizarre, je crois que j'ai pas fini, là. Touch the button. Puis de toute façon, tu peux pas te déplacer en 3D, je te rappelle. N'empêche que don't touch the button, quoi. C'est quoi la blague de l'autre côté? Une abysse infernale et insondable. Ok, donc admettons, j'appuie sur le bouton, il me fait rouler un truc sur la gueule que je dois esquiver pour aller plus loin. On va dire c'est ça le scénar. On sait pas. Surprise! Et je me cache où moi? Ah, c'était la trappe, fallait ouvrir! Fallait rouvrir la trappe pour que ça se passe bien. Bonjour, je voudrais la trappe. Please. The trap. The door in the floor. Non? Ok, alors. Mais cet abruti ne sait pas se suspendre de ce que j'ai compris. Avec tous les fails qu'il m'a fait là. Donc non. Tu mets une croix là. Là, c'est beaucoup trop sombre sur mon écran à gauche pour que je vois s'il y a une chaîne qui est attrapable. J'y vois rien du tout. Oh pas. Eh bien, tu refais. Hop. Alors, mais pourquoi il la garde pas ouverte cette trappe, tout simplement, cet idiot? Bon, de toute façon, machin, hop, tu sautes dans l'eau, de l'autre côté, je tombe dans de l'eau, je reviens par là, c'est réglé, de toute façon, ça a été ouvert, ils ont dégagé, c'est hop. On va pas. C'est mon esprit de programmeur qui frappe encore. Hein. C'est quand j'ai un problème, j'essaie de rajouter au moins. Bah en fait, j'essaie de voir tous les problèmes qu'on peut rajouter avant d'imaginer qu'on pourrait commencer plutôt de simplifier en mettant une solution. Et voilà. Pfiou.
C'est sympa quand même. Kézaouak. Un bidule asynchrone qui peut azimuter des gluons, je pense. Non. Voyons voir. Ok. Alors, le souci, c'est que je peux rien y faire, ce truc. Ah. Je sais pas ce que c'est que je viens de faire, mais je me barre. Alors qu'il aurait été beaucoup plus malin de rester dessus. Saisi l'idée. Maintenant, reste plus qu'à la faire. Voilà quand il veut. Je tombe dans un trou qui me remet juste en dessous. Soyons optimistes. Il y a moyen. Il y a moyen. Oui. Tu cours pas de touche. Wow, le gadin. Oh, mon super machin. Qu'est-ce que c'était que cette saloperie? La cochonnerie. Non, mais il est terrible ce petit sous-marin, il est génial. Je veux le même. Ces passages aquatiques sont particulièrement réussis, c'est plaisant. Oui, ben, ça se tentait. Ok. Cette lampe m'a l'air trop sympathique pour être honnête. Eh bien non, elle n'est pas sur le même plan. Je suis désolation. Alors, expérience numéro 2. Elle n'est vraiment pas sur le même plan. Tiens.
Qu'est-ce que j'ai dû rater? Une buttons. Buttons, si je sors ici, mais je peux pas sortir quand je suis immergé, si. Non, je confirme, je peux pas sortir. Donc, il y a un bouton ici. Et cette fucking porte ici. Donc, on va se tenter le bouton tout bêtement. En se mettant le sous-marin au-dessus tranquille. Et on a la lampe comme repère. La vie est belle. Ah, mais s'il n'y a plus d'eau, madame, il va beaucoup moins bien marcher ce sous-marin, dedans. Alors, est-ce que j'essaie le déplacement sous-marin, ce qui risque d'être risible? Pardon, je passe, pardon. Ouais, non, ce n'est pas fait pour. Je vais arrêter les idées stupides. 2 secondes. Mais zut. On y voit cure. Tiens, j'ai pas pris de mot défi aujourd'hui d'ailleurs. Oh purée, j'ai oublié de remonter pour de la respiration. Ok. Petit 1, au lieu de dire des conneries, pensez à. N'y a pas une touche pour que l'actionne sous-marin, ce serait trop cool. Ouais, non, mais faut pas rêver, monsieur, non plus. Alors, ce que je te propose, c'est ton sous-marin, tu le poses là-bas. Comme ça, on est peinard. Dans l'éventualité d'en avoir besoin plus loin, ce qui est un peu plus que probable, et on va aller se taper une petite nage. Ouais, donc tout à l'heure, j'étais parti pour sur le retour de la théorie des slow games, qui est une grosse tendance quand même. Effectivement, tous ces jeux où on est obligé de vraiment prendre son temps. Sinon, on s'énerve. Ça arrive fréquemment. Alors, c'est un public particulier. C'est entre les casuals et les gamers qui ont envie de se détendre un peu le dernier neurone qui leur reste. Ce qui est compréhensible. Mais du coup, il faut comprendre que certaines personnes n'aiment pas forcément ce genre de jeu. Ceci dit, voilà, sans être fan, je trouve ça quand même très agréable à manipuler. Il y a un effet d'échelle qui est super chouette aussi. On se sent vraiment pas trop équipé pour faire le malin, quoi. Alors, est-ce qu'il serait intéressant que je ramène le sous-marin? Mais oui, c'est une petite marche. Mais quelle maîtrise du bon. Oups. Ah, je crois que j'ai pété un phare. Ah, c'est ça que j'ai vu tout à l'heure. T'es quoi, toi? Mais qu'est-ce que t'es? En plus, tu pédales à l'envers.
Hey. Alors le truc qui est vachement bien avec mes streams, c'est qu'au moins vous pouvez voir toutes les morts du personnage. Il n'y en a pas une qui échappe. Bon, dire que moi au début je m'amusais avec ça, avec la lumière, et qu'en fait c'est le moyen vital de pas se faire emmerder. Fais des petits sprints hein, quand même, toi, quand j'ai le dos tourné. T'aurais pas des amis chez Vlad et compagnie? Alors là, tu m'as planté tout à l'heure, pas deux fois. Hein. On se calme. On fixe. Merde. Ah, là-bas, il y a un passage. Voudrais-tu avoir l'aimabilité de dégager? Recule, recule. Je t'excommunie. Je repousse Satan hors de ce corps. Bon, tant que ça marche, on y croit, hein. Alors là, il va falloir que je me propulse là-haut, c'est-à-dire que je braque brièvement la lumière ailleurs que sur notre ami. J'espère que ça a marché dans le bon sens. Il n'y a qu'un essai. Il n'y a qu'un essai, sinon c'est... Et eh ben voilà, le drame. Tu recommences, Maurice. Ça devient un petit peu long, là. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Petite feinte à droite, on y croit. Tu es ridicule. Hop, hop, hop. Who's the fucking boss? Des actions chez Pénible, ce truc. Donc, moi, je vais aller là-bas. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que t'allais faire, là? Mais en fait, je suis un abruti fini. Regardez-moi cette belle planche. Mais bien d'accord, elle est magnifique. Putain, faut que je me plante. C'est vrai que j'avais plus la lumière en plus. Oh, mais quelle andouille. Bon, ça, c'est le problème de quand je joue aux jeux qui sont censés avoir une ambiance oppressante et pesante, voire entre guillemets qui font peur. C'est que bien souvent, comme tout le monde, je suis obligé de me marrer de ma maladresse. Alors, autant il y a des jeux complètement débiles sur lesquels je suis très très bon. Mais la majeure partie des jeux, je suis un flan. Hop, 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 où tu vas, Maurice? Tu vas prendre un coup de truc sur le truc. Et toi, tu restes. Non. Et voilà. Bon, et c'est là qu'on fait le truc, faut pas le rater. Donc je vais me positionner dessus. L'orientation du machin est pas très évidente, mais ça devrait être bon, on va dire. Voilà. Et maintenant, la même chose par là-haut. En plusieurs fois. Magnifique. J'ai pas de nouvel ami. Un ou plusieurs au choix. Oh, ça ressemble au vrai monde extérieur, dites donc. Comment ça, c'est pas un transformer? Ouais, il est pourri ce jeu en fait. Non, c'est bien. C'est très très bien. Bon, bah pour l'instant, si je devais choisir entre Little Nightmares
et ce inside sans hésiter quand même. Inside a un côté un petit peu plus surprenant déjà sur la narration, bien qu'il soit parfaitement linéaire, mais c'est moins évident que les bestioles grotesques de Nightmares. Alors, un monsieur qui est là-bas, donc il doit y avoir un casque pas loin. Ouais, il faut être plusieurs pour ça. Ces petits projecteurs-là vont faire une bonne blague, je sens. Parce que le principe ombre et lumière est pas mal exploité ici. Alors là, si vous avez une chaîne stéréo avec un caisson de basse, je vous recommande le truc, c'est pas mal. Suis pas certain de vouloir ouvrir ça. Bon, allez, première mort, c'est parti. Ça décompte, ça, non? 19. C'est peut-être le nombre de coups avant que la porte cède. Je sais pas essayer ça, donc. Ouh, mais ça se complique, là. Ok, donc j'ai actionné un gros inter. Voilà, je monte à cet étage, voir ce qu'il y a. Et si je saute, je me vautre. Oui, c'est pas avec un petit saut de ridicule comme ça que je vais atterrir là-haut. Donc ça se pratique dans l'autre sens. Ok, on va y arriver. Donc ça, c'est juste un ascenseur. On va aller dans le dernier étage qu'on n'a pas encore vu. Ça, c'est du plus bas. Que c'est frustrant de ne pas aller dans la profondeur, quoi. Ce jeu donne envie quand même. Gauche, droite. Allez-y, votez sur le chat. Alors, lâche un truc bidule. Qu'est-ce qu'il y a là-bas derrière? Un wagonnet, une échelle. On risque d'aller loin. Et en dessous, apparemment, il y a toute une galerie. Et ça actionne. Ben voilà ma galerie. Comment j'y accède? C'est beaucoup plus simple. Et voilà comment on se coince dans un niveau. Wouhou! Et là, il y a un ver des sables géants qui arrive. Un casque à se mettre sur le bulbe. Assez tendu à accéder. Et là, ah, ça va se corser, je pense. Magne-toi. Magne-toi. Bon, en tout cas, niveau exploration, on peut pas dire qu'on se fout de notre gueule avec des patterns et des trucs qui se répètent, hein. Au moins, là, le mode exploration est total. T'es trop bas, mon ami.
Eh ben dis donc, t'as failli faire avoir une attaque chez les avatars. Dac. Les sauces sont vraiment au dernier moment. C'est rigolo comme situation. Alors, qu'est-ce que je peux leur faire faire? Là-bas, c'est la flotte, je crois. Ok. La flotte, je pense pas que ça va nous avancer à grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à faire tout là-bas? Ah, ça reprend son sens. Super. J'ai mes petits zombies et je vais les sacrifier. Qu'est-ce qui va se passer si je leur fais descendre ça sur la gueule? Non, c'est bon, ils arrêtent. Donc je vais les faire remonter tant qu'à faire. Non, j'ai pas besoin, messieurs. Alors, je peux les ramener là-haut, ou bien. Ça doit être fait pour. Hein. Ah, j'ouvrirais bien volontiers ce silo, mais je ne sais pas comment. Non, non, les gars, merde. Bah foutez-moi dedans. C'est pas malin les gars, faut tout refaire maintenant. Bon, de toute manière, faut que je vois un truc. Il y a une planche là-bas, donc ce truc ne bougera pas plus loin. On est d'accord. Souci étant qu'il y a une planche de ce côté, on bougera pas plus loin. Donc quel intérêt que je grimpe là-dedans, moi? J'ai un peu de mal à assimiler.
Tu vois, ça a sauté, ça. Ça doit être quelque chose à faire plus tard, je pense. Ah, mais il m'avait bougé le truc encore. Je vais arrêter le stream là parce que ça fait un moment qu'on joue déjà. Donc voilà, c'était Inside. Petit jeu de donc runner exploration énigme. Toujours ces ambiances sombres, sympathiques. Pour l'instant, je peux que le recommander celui-là si vous aimez le genre. Placez-le en acquisition avant justement Little Nightmares, parce que je pense que c'est un meilleur choix, malgré qu'il ait l'air techniquement moins sophistiqué. C'est qu'une apparence, et le gameplay, la façon dont se dévoile l'aventure, me semble vachement plus intéressant sous ce côté-là que dans l'autre jeu. Et bien sur ce, je vous souhaite plein de cauchemars, plein de fails bien entendu, et rendez-vous au prochain stream. Ciao.